OK, alors poursuivons comme convenu. Cette semaine au programme, là, quand on regarde le plan de travail sur le portail de cours, c'était prévu qu'on fasse le sujet 1 au complet, la semaine prochaine le sujet 2 au complet, la semaine 3 le sujet 3 au complet, c'est simple jusque-là. Vous allez voir, le sujet 4, lui, s'étale sur 2 semaines. Mais bref, on peut pas se permettre de prendre de retard, donc on va passer à travers le sujet 1 en 1 heure, c'est bien correct. C'est un sujet simple de mise en contexte. Donc, ça va un peu... Je vous disais au début du cours que le cours d'aujourd'hui, de cette session-ci, porte sur l'étude de cette loi-là, donc la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, de façon plus sommaire, on peut se demander pourquoi il y a de l'impôt sur le revenu, à quoi ça sert l'impôt sur le revenu, dans quel genre de monde on vivrait s'il n'y en avait pas d'impôt sur le revenu. Parce que tout le monde a la critique bien facile, hein, puis c'est quand c'est le temps de chialer, puis de dire « Moi, je gagne 50 000 pièces de salaire, j'en donne 22 000 à l'impôt, il m'en reste juste 23. » En tout cas, on les a tous déjà entendus. Fait qu'on pourrait se poser la question de l'utilité de tout ça. Puis, ça donne un sens, finalement, à cet impôt-là. Puis, ça nous donne aussi un souffle pour l'étudier, sachant que c'est un impôt qui est fort utile. Donc, laissez faire les dates là, par rapport à l'historique. Donc, les différents types d'imposition, c'est pour vous montrer que il n'y a pas juste l'impôt sur le revenu qui existe. Hein? Donc, les contribuables, les Canadiens, les Québécois, on est assujettis à une multitude d'impôts et de taxes. Et c'est pas exhaustif, j'en ai juste mis quelques-unes ou quelques-uns qui sont les principaux. Donc, nous, on va s'intéresser à l'impôt sur le revenu seulement. Mais l'impôt sur le revenu, ça s'inscrit parmi un grand champ où il y a beaucoup, beaucoup de formes d'impôts et de taxes. Donc, quand vous allez faire mon cours, ou le cours de fiscalité 1, puis vous allez dire à vos parents ou à votre ami, « Hey, moi, j'ai appris les impôts et taxes à l'école. » Vas-y, mollo. T'apprends, dans le fond, uniquement un impôt, qui est l'impôt sur le revenu, qui s'inscrit parmi un environnement où il y a beaucoup d'autres impôts qui existent. Donc, effectivement, il existe l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on a décidé que quelqu'un qui allait gagner 1 $ de revenu, il y a une partie de ce dollar-là qui allait devoir être donnée au gouvernement puis qui allait devoir servir à tous les citoyens pour défrayer les services publics. Donc, gagner un revenu dans notre système à nous, c'est un geste qui est imposable. La consommation aussi est imposable. Le fait de consommer des biens, d'aller acheter des biens, ça aussi on a décidé que c'était un geste imposable et donc on a assujetti ça à une taxe à la consommation, la fameuse TPS-TVQ. Donc vous savez que quand vous allez chez Subway puis que c'est marqué sous-marin 6,99, mais quand tu arrives à la caisse, c'est pas 6,99, c'est plus taxe. Donc c'est taxable puis on doit remettre des taxes au gouvernement sous forme de TPS-TVQ. Autre activité qui est taxable, c'est moins connu des étudiants, la masse salariale. Un employeur qui verse un salaire à un employé, c'est un geste taxable. Quand un employeur te dit « je t'engage et je vais te payer 1 000 $ par semaine », ben à la fin de la semaine, ça va probablement y en coûter 1 200, 1 300. Parce que oui, il va devoir te donner 1 000 $ tel que promis, mais le fait qu'il ait versé un salaire va l'obliger à payer ce qu'on appelle des charges sociales. Donc, l'employeur va devoir contribuer à l'assurance-emploi, contribuer à la Régie des rentes du Québec dans le but de financer ta retraite, contribuer à la CSST dans le but de te couvrir d'une assurance au cas où il y aurait des accidents de travail, contribuer à la commission des normes du travail. Donc, on le voit pas quand on est un employé, mais il y a une panoplie de charges qui sont chargées à un employeur qui verse un salaire. Oui? Non, ça c'est d'autres choses. L'impôt sur le revenu que l'employé devra payer, ça c'est vrai, on rentre pas ça dans l'impôt sur la masse salariale, c'est vraiment de l'impôt sur le revenu. Puis c'est l'employé qui va devoir le payer. Non, ben l'employeur, dans le fond, il fait une retenue d'impôt sur le revenu de l'employé, il l'envoie au gouvernement, mais ce n'est pas un impôt final, ça c'est un impôt qui est temporaire. Sur production du rapport d'impôt par l'employé, on va ajuster. Est-ce qu'il y a eu assez de perception d'impôt sur le revenu ou pas assez? Puis l'employé devra ajuster aux besoins. Autre geste qui est taxable, détenir une propriété. On a décidé qu'être propriétaire d'un bien immeuble, terrain, bâtiment, c'est un geste taxable. Et sur la valeur de votre immeuble, vous allez devoir payer une taxe, ce qu'on appelle les impôts fonciers, une taxe municipale. La tarification des services publics, ça va un petit peu dans la même logique. Quand vous faites affaire avec un fournisseur de services
qui est une, dans le fond, une société d'État, puis qu'il n'y a pas de compétition, puis que vous êtes obligé de consommer vos biens dans cette société d'État-là. Je prends par exemple Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la SAQ, c'est toutes des sociétés d'État où tu n'as pas le choix de consommer les biens en situation de monopole. Ben, à quelque part, la tarification qu'eux établissent, c'est ni plus ni moins que des impôts, dans le sens qu'ils pourraient très bien augmenter la tarification, qu'on n'aurait aucun choix, puis qu'on devrait envoyer plus d'argent au gouvernement. Puis s'ils baissent leur tarification, ben on envoie moins. On n'a aucun pouvoir sur la tarification des services publics. Puis à quelque part, si le gouvernement, dans son enveloppe globale, a besoin de plus d'argent, ben il pourrait hausser l'impôt sur le revenu, hausser l'impôt sur la consommation. Mais s'il veut, il pourrait très bien hausser la tarification de l'électricité, par exemple, puis il arrivera à ses fins de la même façon. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement, que ça, d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'on l'inscrit le dernier, la tarification des services publics. On dit qu'à quelque part, c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'une taxe, pour cette raison-là. Autre chose qui est intéressante de voir, c'est qu'il y a trois paliers d'imposition possibles. Donc, il y a trois formes de gouvernement qui ont le pouvoir de vous imposer. Donc, votre pays, le Canada, le fédéral, a le pouvoir de vous imposer. Votre province, le Québec, a le pouvoir de vous imposer. Et la ville dans laquelle vous avez une maison aussi a le pouvoir de vous imposer. Chaque gouvernement a son propre pouvoir de taxation. Donc, le gouvernement fédéral a le droit d'imposer le revenu, a le droit d'imposer la consommation et a le droit d'imposer la masse salariale. Même chose pour la province, qui peut imposer le revenu, la consommation, la masse salariale, alors que les municipalités ont le pouvoir exclusif d'imposer la valeur des propriétés. Donc, on ne pourrait pas payer une taxe sur la propriété au gouvernement fédéral. Ce n'est pas dans son champ de compétences. C'est réservé aux municipalités. Donc, si on met ça dans un tableau, ça ressemble à ça ici. Donc, vous voyez ici les différents paliers d'imposition, fédéral, provincial, municipal, et les différents types d'impôts. Donc, celui qui est encerclé, c'est celui qu'on va étudier. Donc, quand on fait un cours qui porte sur l'impôt sur le revenu fédéral, bien, même pas provincial, fédéral seulement, vous comprenez que c'est une goutte dans l'océan des impôts et taxes. On ne sortira pas d'ici en disant « Hey, moi, je connais tous les impôts et taxes. » Non, tu connais, même moi, je ne connais pas grand-chose à la loi sur la TPS TVQ, je ne connais pas grand-chose sur la loi je ne connais pas les autres lois, là. Donc, on devient quelque part des spécialistes d'une loi qui est parmi plusieurs. Mais force est d'admettre que c'est une loi importante, la loi de l'impôt fédéral, parce qu'elle touche à peu près 25 millions de personnes. On est 30 millions au Canada. Il y en a à peu près 25 millions qui produisent un rapport d'impôt. Fait que ça touche tout le monde. Fait que c'est sûr que c'est une loi qui est importante. Tout le monde la connaît. Tout le monde est touché par ça. Puis, elle est assez complexe aussi. Fait qu'on s'attaque à quelque chose de... Je vais vous dire, quand tu recommences à être bon dans la loi de l'impôt sur le revenu, c'est pas trop compliqué d'aller zioter les autres lois. Elles sont pas mal plus légères, sont pas mal plus petites. Puis, quand on se fait les dents sur la plus compliquée. Pour vous, ça va être assez vulgarisé dans le volume, tant mieux. Donc, voilà pour mettre en contexte sur quoi c'est quoi qu'on va étudier. C'est une petite chose dans un tableau qui en comprend plusieurs. Autre chose intéressante, autre question à se poser, c'est quoi les objectifs de l'impôt sur le revenu? Pourquoi on paye un impôt sur le revenu? On les a tous entendus, les critiques là, des gens qui bougonnent, qui sont pas contents, qui trouvent qu'on en paye trop. On l'a tous déjà entendu. Moi, je vais déménager dans une autre province pour payer moins d'impôts. On l'entend souvent, mais j'en ai pas vu souvent vraiment déménager. Mais on l'entend, c'est fou. Fait que les gens, il y a de la grogne, il y a de la mécompréhension aussi certainement. Mais personne n'est indifférent par rapport à l'impôt sur le revenu. Pourquoi c'est important qu'à chaque fois qu'on fasse du revenu, on prenne une partie de cet argent-là puis qu'on l'envoie au gouvernement? À quoi ça sert cet argent-là, d'après vous? Dit autrement, là, à quoi ressemblerait notre vie s'il n'y en avait pas d'impôt sur le revenu? Si tu gagnais 100 000 de salaire, tu le gardais dans tes poches, ton 100 000, tu ne donnais pas une cent en impôt sur le revenu, fais ce que tu veux avec ton argent, chacun pour soi. Ça ressemblerait à quoi notre société? Oui, monsieur? Bien, évidemment, madame, vous allez dire? Oui. Exact. Donc, le premier rôle joué par l'impôt sur le revenu, vous l'avez bien dit dans vos mots, puis c'est la chose la plus connue par les étudiants. Évidemment, ça sert à payer le panier de dépenses publiques qu'on s'est doté. On a décidé depuis plusieurs années, au Québec, entre autres, puis au Canada, que
aller à l'hôpital, ça coûterait rien. Ça devrait être payé par tout le monde. On a décidé que la scolarité, ça coûterait à peu près rien, que ça devrait être payé collectivement par tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, votre scolarité vous a pas coûté très très cher. Puis même à l'université, on paye un peu, mais on paye pas la totalité du coût que ça coûte de faire fonctionner l'université. Les routes, c'est la même chose. Ça nous coûte presque rien rouler sur nos routes. Un permis de conduire à 86$, puis une immatriculation à 200$, c'est pas ça qui paye les kilomètres et les kilomètres de route qu'on a au Québec. Et je pourrais en rajouter d'autres. On a décidé que ce panier de services-là, que tout le monde allait pouvoir l'utiliser, entre guillemets, gratuitement, et que ça allait être payé, financé par, justement, l'impôt sur le revenu que les gens vont verser, entre autres, les autres taxes et impôts aussi. Au Québec, on a environ 7 millions de Québécois. D'après vous, parmi les 7 millions de Québécois, combien contribuent à la caisse qui va servir à payer les dépenses publiques pour tout le monde? Quel pourcentage de 7 millions des Québécois payent de l'impôt sur le revenu? À peu près. Un ordre de grandeur. 75%, 95%, c'est 60%. Ça veut dire que le panier de services publics dont tout le monde a droit, entre guillemets, gratuitement, qu'on veut que tout le monde y ait accès indépendamment si tu es riche ou pas, bien, tout ce panier de services-là, il est financé par 60% des Québécois. Évidemment, les plus fortunés. Parce que l'impôt sur le revenu, c'est progressif. Plus tu fais du revenu, plus tu vas envoyer de l'impôt. Donc, ça finit que c'est 60% des gens, des Québécois, qui envoient de l'impôt sur le revenu, puis plus les gens sont riches, plus ils font des revenus élevés, plus le pourcentage d'impôt est élevé. Puis 40% de la population, à peu près, ne paye pas d'impôt sur le revenu, puis évidemment, profite des services publics. C'est pas une catastrophe, c'est connu, c'est su, puis c'est voulu comme ça. On a voulu se doter au Québec d'une société, somme toute, avec ces valeurs-là, puis on accepte que ces dépenses-là soient payées par la proportion des gens les plus riches. Évidemment, il y a des très riches à qui ça déplaît, qui disent « Ah, moi, j'aimerais mieux garder mon argent pour moi. » Les gens les moins fortunés contribuent pas puis profitent des services pareils. Moi, je sais très bien qu'il y a des riches qui sont contents de payer cet impôt-là, qui comprennent très bien la logique, qui sont privilégiés, puis qu'il y a bien des gens qui n'auraient pas les moyens de se payer ces services-là, qui sont des services essentiels. Puis il y a beaucoup de riches qui sont contents de payer leur impôt sur le revenu. Mais bref, c'est d'admettre que ça fait jaser. Mais c'est pas le seul objectif, ça, que joue l'impôt sur le revenu. Oui, payer les dépenses publiques qui sont admissibles à toute la population, mais il y a d'autres objectifs aussi qu'on atteint avec l'impôt sur le revenu, puis qui sont moins connus. Contribuer à la croissance économique de certains secteurs. Parfois, on a des secteurs dans notre économie, certaines industries qui ont de la difficulté, et que si on les laisse périr, autant humainement que monétairement, ça va être très, très coûteux pour l'ensemble des Québécois. Si on a un secteur qui est en difficulté, prenez l'industrie du bois qui récemment a eu beaucoup de difficultés à vendre son bois aux États-Unis. Devant un secteur comme ça qui est en très grande difficulté, le gouvernement peut faire deux choses. Un, je fais rien. Ben, c'est assez inhumain parce que tu as plein de monde qui vont perdre leur emploi. Puis au point de vue comptable, je suis pas sûr que c'est intelligent non plus, parce que ces gens-là se ramassent sur le chômage, l'assurance-emploi, puis ces gens-là coûtent très cher quand même en service public. Donc, une des solutions que le gouvernement aurait, plutôt que de rien faire, c'est de dire, je vais prendre l'impôt sur le revenu, puis je vais modifier les paramètres pour aider ce secteur-là. Donc, il est pas rare qu'on modifie l'impôt sur le revenu pour viser certaines entreprises très, très précises dans certains secteurs d'activité, pour leur donner temporairement un peu d'oxygène puis réussir à survivre à des périodes plus difficiles. Donc, il n'est pas rare que dans l'impôt sur le revenu, tout d'un coup, on voit une baisse d'impôt importante ou un congé de taxes ou des taux d'amortissement super rapides pour vraiment au niveau fiscal, abaisser la charge fiscale de ces entreprises-là, le temps qu'ils reprennent leur souffle puis qu'ils réussissent à remonter la pente. Puis ça évite des mises à pied, ça évite des catastrophes humaines. Puis, au point de vue comptable, le calcul peut se faire. C'est peut-être encore meilleur marché de les aider un peu comme ça, en se privant, en baissant leur impôt sur le revenu, que de subir tous les coûts qui surviendraient si on avait une industrie des entreprises qui fermaient, par exemple. Autre rôle joué par l'impôt sur le revenu, répartir équitablement la richesse entre les différentes classes des contribuables. Bon, on en a parlé tout à l'heure, les statistiques qu'on a soulevées disent tout.
quand 60% des gens payent de l'impôt, puis que 40% n'en paient pas, puis qu'en bout de ligne, tout le monde profite du panier de services, ben ça, c'est quoi? C'est quoi si c'est pas de la répartition de la richesse? C'est la même chose que si je prenais de l'argent dans la poche d'un riche pour aller la mettre dans la poche d'un moins riche. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais je passe par, comme je pourrais pas faire ça comme gouvernement, ben je vois en disant tout le monde paye de l'impôt sur le revenu, on paye des services à tout le monde, mais pour une tranche de la population moins fortunée, on leur demande pas de contribuer. Donc, c'est clairement une volonté de répartir la richesse. Et finalement, dernier objectif que la loi de l'impôt doit atteindre, c'est une certaine compétitivité économique avec les États voisins. Un État, un pays, c'est comme une entreprise. Ça doit être compétitif. Et si ce n'est pas compétitif dans sa fiscalité, ça n'attirera pas de contribuables sur son territoire. Et si on n'attire pas de contribuables sur notre territoire, ces contribuables-là ne paieront pas d'impôts chez nous. C'est plus facile à imaginer au niveau de l'impôt des entreprises. Imaginez que vous avez une entreprise qui fabrique des pneus. Là. Puis l'entreprise, elle peut s'installer n'importe où dans le monde. Pourquoi elle viendrait s'installer au Canada? Moi, j'aimerais ça que cette entreprise-là vienne s'installer au Canada. Ça créerait 200 emplois. Cette entreprise-là paierait de l'impôt sur le revenu. Cette entreprise-là paierait de l'impôt foncier, donc des taxes municipales sur la valeur de ses propriétés, et ainsi de suite. Ça serait économiquement très valable puis rentable qu'on l'attire chez nous. Mais qu'est-ce qu'elle va regarder, l'entreprise, avant de s'installer chez nous? C'est quoi ta fiscalité? C'est quoi ton taux d'impôt pour les entreprises? Le genre d'entreprise qu'on est, là, qui fabriquons des pneus, c'est quoi les taux d'impôt? Puis, je vais aller voir ton voisin. Tu sais, moi, entre m'installer en Beauce ou m'installer à Détroit, il y a à peu près 200 km de distance. La Beauce étant au Québec, au Canada, puis Détroit étant aux États-Unis. Une entreprise est indifférente à s'installer à un endroit ou à l'autre. Fait qu'elle va faire comme un client, elle va magasiner. Puis elle va demander, elle va s'intéresser aux taux d'impôt en vigueur au Canada, les taux d'impôt en vigueur aux États-Unis. Puis si on n'est pas compétitif avec les taux d'impôt en vigueur chez notre voisin immédiat, bien évidemment qu'il n'y a à peu près aucune entreprise qui va s'installer chez nous. Puis encore pire, nos entreprises canadiennes vont avoir une tendance à immigrer vers les États-Unis. Donc, si on veut pas ça, puis on veut garder nos entreprises chez nous, sans renier nos autres volontés, sans renier tout ce qu'on doit atteindre avec nos objectifs, il faut avoir quand même un souci d'être compétitif, d'être avec les autres pays. Donc, mettez ça tout ensemble, ça fait en sorte que c'est pas facile de calibrer la loi de l'impôt pour qu'elle rencontre tous ces objectifs-là. Mettez-vous dans la peau du ministère des Finances, qui est le ministère qui a comme rôle de légiférer cette loi-là, de décider de ce qu'elle va comporter, de décider des taux d'impôt, de décider quand est-ce qu'on fait des baisses d'impôt. Puis à chaque fois qu'il prend une décision puis qu'il joue sur un paramètre, il débalance un autre paramètre. Tu sais, si le gouvernement, le ministère des Finances se rend compte qu'il manque d'argent ici, il manque d'argent pour payer les dépenses publiques, puis qu'on suggère une hausse des taux d'impôt, bien, ça se peut qu'une hausse des taux d'impôt, ça fasse chuter certains secteurs économiques. Ça se peut que ça joue sur la répartition de la richesse. Ça se peut aussi qu'on devienne moins compétitif. Bon, mais d'abord, si on rabaisse les impôts, qu'est-ce que ça fait? Vous comprenez que c'est comme une toile d'araignée, toute liée ensemble, puis qu'à chaque fois qu'on joue sur un paramètre dans la loi de l'impôt, on risque de débalancer ces objectifs-là. Donc, c'est tout un défi. Le ministère des Finances, à toutes les semaines, doit être attentif à ce qui se passe autour, attentif à ce qui se passe dans notre pays, puis s'assurer que sa législation respecte toujours l'ensemble de ces objectifs-là. Je voudrais pas être à sa place. OK, plus concrètement, la perception des impôts. Qui fait la perception de l'impôt sur le revenu? Vous savez qu'on en paye deux, hein, des impôts sur le revenu. On paye un impôt sur le revenu à notre pays, au Canada, et on paye aussi un impôt sur le revenu à notre province. Au niveau des particuliers, comment ça fonctionne? Bien, évidemment, l'impôt fédéral, on l'envoie à Ottawa. Donc, c'est le gouvernement fédéral, par l'Agence du revenu du Canada, qui fait la perception de l'impôt fédéral pour tous les Canadiens. Donc, les 25 millions de Canadiens, on a envoyé notre rapport d'impôt à Ottawa. Il y a des bureaux locaux, là, mais ça relève du fédéral. Les provinces aussi doivent percevoir leur impôt. Mais faire un rapport d'impôt fédéral ou faire un rapport d'impôt provincial, ça ressemble pas mal. Donc, le fédéral a eu la bonne idée de proposer la chose suivante aux provinces. Le fédéral a dit aux provinces, si vous voulez
quand on va faire notre perception d'impôt fédéral, en même temps, on peut en profiter pour faire la perception de votre impôt provincial. De toute façon, c'est les mêmes règles, c'est la même loi, ça se calcule de la même façon. Afin de ne pas dédoubler tous les systèmes de perception dans toutes les provinces, si vous voulez, à chaque année, le fédéral va percevoir et l'impôt fédéral et l'impôt provincial. Et après ça, le fédéral remet aux provinces ce qu'il a perçu en impôt provincial. Génial, toutes les provinces ont accepté, sauf une. Seul le Québec, historiquement, a toujours refusé ça. Il a toujours dit jamais le fédéral va percevoir l'impôt des Québécois. Donc, ça fait des années qu'on dédouble le système administratif. Ça veut dire qu'au Québec, on est les seuls à avoir un autre ministère qui s'appelle le ministère du Revenu du Québec. On embauche des milliers de fonctionnaires pour recevoir les rapports d'impôts, gérer la perception des impôts. Finalement, on fait tout ça en double que le fédéral a déjà fait aussi auprès des Québécois. On estime le coût de cette double perception-là à 1,5 milliard de dollars par année. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 1,5 milliard de dollars d'argent neuf. Mais ça, on estime à cette ampleur-là le coût de l'administration de Revenu Québec. Oui? C'est des raisons historiques. C'est des raisons d'avoir peur de perdre nos pouvoirs, de perdre notre autonomie. C'est des principes qui coûtent cher. C'est des principes qui ont un coût fort important. Au niveau des sociétés, c'est la même chose. Les compagnies envoient leur impôt au fédéral. Le fédéral perçoit l'impôt de toutes les provinces en même temps. Puis là, il y a deux provinces qui ont dit non. Le Québec, évidemment, puis l'Alberta, mais c'est pas du caprice. L'Alberta, le taux d'impôt est très bas pour les sociétés en Alberta, parce que c'est une province très riche avec le pétrole, l'Alberta. Fait qu'il y a presque pas d'impôt pour les sociétés à payer en Alberta. Donc, ils sont capables de faire leur perception assez facilement, tellement il y a peu d'impôt qui est chargé aux sociétés là-bas. OK, chose importante maintenant, bien faire la distinction entre ce qu'on appelle le mécanisme ou les mécanismes législatifs et administratifs. Dans tout système de droit moindrement sérieux, moindrement bien organisé, il y a toujours une séparation très étanche entre ce qu'on appelle l'organisme qui est législatif, l'organisme c'est un ministère, qui est législatif, et un autre organisme au gouvernement qui est administratif. Donc, le législatif, c'est celui qui fait la loi de l'impôt, celui qui réfléchit, celui qui décide des politiques fiscales puis qui les rédige. Et l'organisme administratif, c'est celui qui va faire appliquer la loi de l'impôt. Et c'est vraiment deux organismes distincts au fédéral. C'est la même chose au Québec. Donc, au fédéral, celui qui légifère, c'est le ministère des Finances du Canada, qui a un bureau... Le ministère est vraiment à Ottawa, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et l'organisme qui fait appliquer la loi, c'est l'Agence du revenu du Canada, qu'on appelle l'ARC. Au Québec, c'est la même chose. On a le ministère des Finances du Québec, qui est situé dans le Vieux-Québec, sur la rue Saint-Louis. Et on a Revenu Québec. Le vrai nom, c'est l'Agence du revenu du Québec, mais tout le monde l'appelle Revenu Québec, qui est situé à Sainte-Foy, sur la rue de Marly, dans l'ouest de Sainte-Foy, là, une grosse bâtisse, avec toutes des miroirs. Okay, voilà. Donc, cette séparation-là, je vais vous donner un exemple, mais c'est très important. Puis, dans le fond, tous les systèmes de droit sont organisés comme ça, avec cette espèce de séparation-là des pouvoirs. C'est vrai au fédéral, c'est vrai au provincial, c'est vrai au municipal, c'est vrai même dans des petites organisations comme à l'UQTR, il y a toute une séparation entre les deux. Dans le fond, les seuls pays où il n'y a pas cette séparation-là, c'est des dictatures. Une dictature, c'est la même personne qui fait la loi, c'est la même personne qui l'applique, puis elle contrôle la police, puis elle contrôle l'armée. Tu voudrais pas vivre là. Donc, c'est important d'avoir cette séparation-là. Quand on a des problèmes avec l'impôt, quand on discute avec l'impôt, c'est toujours l'ARC. Tu sais, quand quelqu'un vous dit « Ah, l'impôt m'a appelé, l'impôt m'a envoyé une lettre, j'ai des problèmes avec l'impôt », c'est l'ARC. Personne n'a affaire au ministère des Finances. Appelle pas au ministère des Finances, il te répondra même pas. C'est au même titre que si tu te fais arrêter sur l'autoroute par un policier, puis que tu roulais à 115 km/h sur l'autoroute, puis tu te dis hey, c'est bien niaiseux ça, des lois, des limites de vitesse à 100 km/h, puis là, tu commences à engueuler le policier, engueule-le pas trop, là, qu'est-ce qu'il va te répondre?
Lui, son rôle, c'est-tu de faire le règlement ou c'est de le faire appliquer? De le faire appliquer. Si tu veux faire des revendications sur les limites de vitesse, appelle l'organisme qui fait la loi, qui fait la réglementation, qui est un autre organisme indépendant de la police. Je vais vous donner un exemple à l'UQTR, regardez, pour être sûr que vous compreniez bien l'exemple de cette séparation-là des pouvoirs, on va l'illustrer dans une réglementation qui a été mise en vigueur cet été à l'UQTR. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le nouveau règlement qui interdit l'utilisation des vélos sur le campus. Vous n'avez pas entendu parler de ça? C'est vrai, vous n'étiez pas là cet été, hein? Je vous raconte, mais à l'UQTR, on a aussi une séparation des pouvoirs. On a des gens qui font les règlements, puis on a des gens qui font appliquer des règlements. Comment ça prend naissance, un nouveau règlement? La plupart du temps, ça va prendre naissance suite à un événement. Il va y avoir un événement, il va y avoir des mécontents, il va y avoir des moyens de pression, mais tu sais, un législateur ne se lève pas un matin en disant « Bon, moi, un matin, je vais faire un nouveau règlement. » Ça prend naissance à cause qu'il survient quelque chose dans ta population. Ce qui est arrivé cet été, c'est qu'il y a quelqu'un qui a, il y a pas beaucoup de monde sur le campus, c'est tranquille l'été, puis il y a un étudiant qui traversait l'avenue Gilles Boulay là, avec ses livres, puis il avait regardé à gauche et à droite, il n'y avait pas d'auto qui s'en venait, fait qu'il traversait tranquillement. Et là, il s'est fait faucher par un cycliste à toute vitesse. À toute vitesse, un malade, le gars l'a complètement fauché. L'étudiant s'est blessé à la jambe, tout ça. T'as pas entendu parler? Fait que ça a commencé de même. Fait que ils ont commencé à faire des... Lui puis des amis ont commencé à faire des moyens de pression, des revendications auprès du recteur, qui, lui, est l'organisme qui fait la législation. Le recteur, c'est l'équivalent du ministère des Finances. C'est lui qui fait les règlements. Fait qu'ils ont commencé à faire des représentations qu'on devrait interdire ou, en tout cas, limiter la vitesse des vélos, tatatatata. Ça commence comme ça. Puis là, après ça, ils ont embarqué l'AGE là-dedans, ils ont augmenté la pression, ils ont appelé les médias, tatatata. Vous n'avez pas entendu ça, les médias? Fait que, vous voyez, la pression commence à augmenter sur le législateur. Fait que le recteur, celui qui fait les règlements, le QTR, dit, bon, qu'est-ce que je fais? Avant de faire un règlement, qui travaille pour le recteur ou qui travaille pour le ministère des Finances, il va y avoir des économistes. La première chose, c'est qu'il faut faire un rapport, il faut faire une étude, quels seraient les impacts d'un nouveau règlement. S'il fallait interdire les vélos sur le campus, ça serait quoi l'impact pour l'UQTR? Positif, négatif? Fait que première chose, le recteur donne un mandat à son équipe, disons des économistes, pour faire une étude des avantages et inconvénients. Fait que ces gens-là partent avec pour faire une étude, appellent dans toutes les autres universités, vérifient les règlements, comment ça marche ailleurs, puis arrivent avec un rapport en bonne et due forme au recteur, qui lui devra trancher. C'est lui le premier ministre. C'est l'équivalent du ministère des Finances. Avec son rapport, c'est écrit, ben si vous faites un règlement qui interdit les vélos à l'UQTR, ordinaire sur la réputation, mais c'est plus sécuritaire, le monde va aimer ça. Les pour, les contre, ceux qui ont les moyens de pression, eux, vont arrêter de chialer, mais tu vas peut-être avoir le club de cyclistes de Trois-Rivières sur le dos. C'est à, évalue, faut, tu vois, il doit décider qu'est-ce qu'il va faire. Ben, il a décidé d'aller de l'avant. Donc, suite à la lecture de son rapport, il a décidé, j'y vais de l'avant avec un règlement qui interdit les vélos sur le campus, dès l'entrée de l'automne. C'est automne. C'est pas... Qui va écrire le règlement? C'est pas le recteur. Donc, au ministère des Finances, il y a des économistes qui travaillent là pour faire des analyses puis décider des politiques fiscales, et il y a aussi des avocats. Qui est capable d'écrire un texte de loi comme ce qu'on a lu tantôt, là? Sous les réserves de 625, là, non, c'est des avocats qui écrivent ça. Fait qu'on a évidemment un avocat qui va rédiger le texte de loi. Donc, le recteur a dit à son avocat, tu me rédiges un texte de loi pour cet automne, un règlement, qui va empêcher les campus sur le vélo, les vélos sur le campus. Bon, admettons que vous êtes l'avocat du recteur. Là. Comment vous feriez ça, la rédaction d'un tel règlement? Est-ce que quelqu'un peut me faire une suggestion? Chose de simple. Un règlement qui empêcherait les vélos sur le campus. Ah, vas-y, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que ça pourrait dire, là? Simplement. Un coup de fouette. On ne parlera pas des coups de fouette tout de suite, là. Ce matin, le gars en arrière m'a dit, il a levé la main, il dit, moi, je suggère, moi, j'aurais écrit, les vélos sont interdits sur le campus. Point. Wow. Génial. Les vélos sont interdits sur le campus. Point. C'est simple. Ça va droit au but. Pas de niaisage. Parfait. Donc, mon avocat de l'UQTR fait son règlement. Puis, il écrit, les règlements sont interdits sur le campus. Point.
Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ce nouveau règlement-là, qui est dorénavant en vigueur? Il faut aviser la population. Quand tu fais des nouveaux règlements, il faut que tu avises la population. Fait que ça, on a avisé toute la communauté étudiante. C'est passé d'un portail étudiant, c'est passé ces murs de la bibliothèque, c'est TV. Je comprends pas que vous l'ayez pas vu. Et il faut envoyer ça à l'organisme qui va faire appliquer le règlement. Qui va courir après le monde en vélo? C'est-tu le recteur? Non! Il faut qu'il envoie ça à son organisme administratif. Qui à l'UQTR a comme rôle de faire appliquer les règlements de sécurité sur le campus? La sécurité. Fait que mes trois cow-boys, là, assis à leur centre tout vitré, ils ont reçu par fax le nouveau règlement. Hey, j'aurais aimé ça voir la face de Bob, ça rentre par fax. Hein, un nouveau règlement. Ah, qu'est-ce que ça dit? Les vélos sont interdits sur le campus. Hein? Ils sont obligés d'appliquer ça, là. C'est un nouveau règlement en vigueur. Fait que les gars, ils ont le règlement, ils sont dans leur bureau, puis ils devront appliquer ça auprès des gens qui sont sur le campus. Cette semaine, première semaine que le règlement est en vigueur, savez-vous ce qui est arrivé? Comme de fait, un étudiant qui traverse la rue Gilles-Boulay avec ses livres, regarde à gauche, regarde à droite, pas d'auto. Donc, il avance dans l'avenue Gilles-Boulay, et là, il se fait faucher par quelqu'un qui arrive en malade sur un unicycle, juste devant l'agent de sécurité. L'agent de sécurité l'a vu, là, dans sa face. Boum! En unicycle. Qu'est-ce qu'il fait? Hey Bob, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, on va relire le règlement. Les vélos sont interdits sur le campus. Qu'est-ce qu'on fait? Vous auriez fait quoi? C'est pas un vélo, c'est quoi un vélo? Où tu vois ça qu'un vélo, ça a deux roues? Ah, un dictionnaire. Donc, notre source de droit, c'est le dictionnaire. Notre source de droit, c'est le règlement. Notre réponse doit être dans le règlement. Donc, vous voyez qu'on a un premier problème avec ce règlement-là, il manque de définition. Quand tu dis les vélos sont interdits sur le campus, de grâce, définis c'est quoi un vélo. Qu'est-ce que c'est une roue, deux roues, non motorisées, motorisées? Il faut que tu fasses le tour de la question pour définir c'est quoi un vélo. Ça n'a pas été fait. Donc, le règlement, il est mauvais, premièrement, à cause de ça. Deuxième situation qui est survenue, encore une fois, dans la première semaine d'application. Dimanche soir, il était 11h30. Il y a un vieux monsieur, là, vieux monsieur, là, je pense qu'il est sans-abri, ça, honnêtement, là. Il avait de la difficulté à marcher, il traînait sa maison, là, avec lui, là. Il marchait tout tranquillement à côté de son vélo, puis là, je pense qu'il fallait qu'il se rende à quelque part, je sais pas trop où. Puis là, il y avait comme un... Il pouvait comme passer sur le coin du campus, là, puis c'était comme un raccourci, il arrivait plus vite où il voulait arriver. Fait comme de fait, il est passé sur le campus, tout il avait mal à la jambe en plus, ça allait pas vite. Comme ça, là, il a passé sur le coin d'une campus pour prendre un raccourci et arriver plus vite à cette destination. Il y a un agent qui l'a vu. Qu'est-ce que vous pensez qu'a fait l'agent? Contravention. Hey Bob, qu'est-ce que ça dit le règlement? Ah Bob, oui. Les vélos sont interdits sur le campus. Donc, ce gars-là a été sanctionné. Est-ce que c'était ça que voulait le recteur? Est-ce que dans sa tête, le recteur, c'était ces cas-là qu'il voulait attraper? Non. Autre problème avec le règlement, il manque d'exception. Un règlement, ça peut pas s'appliquer unilatéralement sur tout le monde, toute la journée, de la même façon. Ça prend des nuances, ça prend des exceptions. Il faut que tu sois capable d'attraper avec ton règlement qui tu veux attraper. Il faut que tu sois capable de laisser aller avec ton règlement qui tu veux laisser aller. Donc, autre problème de ce règlement-là, il manquait d'exception. Puis, dernier exemple, il y a quelqu'un qui est arrivé en vélo, mais vous savez, quand on sort du campus puis qu'on arrive sur des récollets, là, à gauche, on descend des récollets, puis à droite, on monte des récollets. Là, ben, là il y a une espèce de petite bretelle. Ben, le gars, il était en vélo dans bretelle, puis il faisait le fou. Là, l'agent l'a vu. Ben, là, l'agent, qu'est-ce que c'est vous qui l'a arrêté ou pas? Est-ce qu'il était sur le campus? C'est quoi le campus? Est-ce que ça comprend les bretelles? Ou la bretelle appartient à la ville, puis c'est la continuité de la rue? Je ne sais pas. C'est quoi le problème avec ce règlement-là? On n'a pas défini campus non plus. Donc, vous voyez, là, je pourrais continuer comme ça. En conclusion, un règlement simple, agréable à lire, puis qui se tient sur une page, ça se peut pas. Un règlement puis une loi, si on veut que ça soit utile, il faut que ça soit complet, nuancé, avec des définitions, avec des exceptions, et c'est pour ça que c'est lourd à lire.
Le fameux règlement sur le vélo, en réalité, il aurait pris 12 pages. Puis vous auriez sacré en disant « tabarouette que c'est dur à lire ». Mais c'est ça. C'est ça. C'est des définitions, c'est des exceptions, c'est de prévoir toutes les situations, puis dans un langage que les gens pourront pas passer dans les mailles du filet, si on veut. Donc, ce sera toujours comme ça de la réglementation, ce sera toujours comme ça de la législation, parce que c'est son rôle premier, c'est d'être bien applicable. Vous avez deviné que c'est pas vrai ce qui est arrivé cet été sur le campus. OK, autre chose intéressante, les points 6 et 7, ça vaut la peine qu'on y passe un temps suffisant. Je vais vous parler des sources de droit fiscal qui sont existantes au Canada, d'accord? Je vous disais tout à l'heure, quand je vous donnais un exemple d'une question d'examen qui serait, ou en tout cas, une question qu'on vous poserait, qui est « Quelle est la couleur du plafond de la salle de classe? » Je vous ai dit, prenez l'habitude, toujours, d'aller trouver vos réponses dans les textes de loi. C'est là que sont les réponses, puis à l'examen, on s'attend à ce que vous me donniez des réponses issues du texte de loi, ou si vous préférez, de son résumé, qui est mon volume en PDF. Ben, il arrive des fois que malgré notre bon réflexe, puis malgré le bon geste qu'on pose d'aller consulter la loi de l'impôt, il arrive qu'on trouve pas notre réponse dans la loi de l'impôt. Mais si je trouve pas ma réponse dans la loi de l'impôt, je fais quoi devant une situation X? Est-ce que, tu sais, il faut quand même être capable de régler des situations des fois. Donc, des sources de droit, il y en a 4 en réalité. Ils sont classés là en ordre de force juridique. La première, c'est la plus importante, c'est celle sur laquelle je tape le clou depuis tout à l'heure. Évidemment, les textes législatifs. La première chose, d'aller voir le texte de loi. Mais si le texte de loi est imprécis ou complètement muet sur une question, ben on va aller voir la deuxième source de droit. Je vais prendre le temps de vous les expliquer, c'est la jurisprudence. On va aller investiguer qu'est-ce qui a été fait dans la jurisprudence. Si en faisant ça, on ne trouve pas de réponse à notre question, mais on va aller à la troisième source de droit, que sont les positions administratives. Et encore là, si on ne trouve rien, on va se rabattre sur la dernière source de droit, qu'on appelle la littératie ou la littérature fiscale. Mais plus on descend dans les sources de droit, plus c'est faible. Quand tu es rendu à trouver tes réponses dans les sources 3 puis 4, là, vous allez voir tout à l'heure, dans deux petites minutes, avec un exemple, oui, vous trouvez peut-être des réponses, mais c'est pas très solide, parce qu'on est rendu dans des sources de droit qui sont très loin du texte de loi. Au contraire, quand vous trouvez une réponse noir sur blanc dans votre texte de loi, c'est béton. Ça, c'est béton comme réponse, parce que c'est la source de droit la plus forte. Je vais vous donner un exemple d'une question qui m'a été posée quand j'étais un jeune fiscaliste. Mon patron vient me voir un vendredi, il était 4 heures. Il vient me voir, vient me poser une question. Là, je le voyais venir. Là, je dis, oh merde, faut que je passe la fin de semaine là-dessus. Il m'explique qu'un de nos clients au bureau, c'était un armateur, un propriétaire, donc une entreprise qui détient des bateaux puis qui fait du transport maritime. Donc, notre client, il détient des flottes de bateaux puis il loue, il charge des montants d'argent à des clients pour faire le transport maritime. Puis, ce client-là, il a reçu une contravention en vertu d'un règlement pour excès de poids de bateau. Son bateau était trop lourd puis il est passé dans le fleuve Saint-Laurent avec un bateau trop lourd. Fait qu'il a reçu une contravention de, savez-vous combien? 750 000 $. 750 000 $ de contravention pour avoir passé dans le fleuve Saint-Laurent avec un excès de poids. Moi, je la connaissais pas, cette loi-là. Je suis pas un expert dans toutes les lois, mais il existe une loi à quelque part qui s'appelle la loi sur le poids des bateaux dans le fleuve Saint-Laurent. Puis je suis allé voir, puis effectivement, quand tu dépasses un certain poids, il y a une amende, puis ça monte très vite. 750 000 $. On ne remet pas ça en question. Il l'a payé. Maintenant, il faut faire son rapport d'impôt. Ça, c'est mon domaine, la loi de l'impôt. Maintenant, il faut faire son rapport d'impôt. Dans son rapport d'impôt, on va déclarer son revenu net de son entreprise. Donc, c'est son chiffre d'affaires moins ses dépenses d'opération. Donc, son chiffre d'affaires, c'est tout ce que les clients lui ont payé. Puis ses dépenses, bien, c'est les dépenses normales de quelqu'un qui a un bateau. Les salaires pour les matelots, j'allais dire. En tout cas, le staff qui travaille sur le bateau, le capitaine, l'entretien du bateau, le carburant, on met ça dans les dépenses, puis on abaisse le revenu fiscal. Et la question, est-ce qu'une contravention de bateau de 750 000 $, c'est une dépense déductible
quand vient le temps de faire le rapport d'impôt de cette entreprise-là? Méchante bonne question. Je savais que j'en aurais pour la fin de semaine. Donc, je pars avec ça, je fais mes devoirs, parce que j'ai appris à la maîtrise en fiscalité qu'il faut aller voir dans nos sources de droit en ordre, là, les plus fortes en premier. Fait que je consulte la loi de l'impôt, je partout. Je fais des recherches avec des mots-clés, bateau, contravention, poids. Ah, j'ai fait le tour de la loi de l'impôt, j'ai rien trouvé. Et ça se peut, ça. Le législateur a jamais cru bon écrire une ligne là-dessus. Le législateur a jamais cru bon écrire noir sur blanc si c'était déductible dans un rapport d'impôt une contravention de cette nature-là. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir prendre une position, là, déductible ou pas. Ma loi est complètement muette, j'ai aucune réponse dans ma loi de l'impôt. Donc, si ma première source de droit est muette ou imprécise, mais dans ce cas-ci, elle est vraiment muette, je vais me rabattre sur la deuxième source de droit. J'ai pas le choix. C'est la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est la jurisprudence? C'est un nom qu'on donne dans l'environnement juridique. C'est un peu l'appellation qu'on donne à tout l'historique des jugements qui ont été rendus par des tribunaux sur des causes ou sur des litiges fiscaux. Vous savez, il n'est pas rare que des contribuables et l'ARC se poursuivent devant les tribunaux. Lorsqu'un contribuable et l'ARC ne sont pas d'accord sur une position fiscale, ben, il n'y a rien qui empêche que ça se tranche devant les tribunaux. Donc, un contribuable peut très bien poursuivre l'ARC ou l'inverse pour essayer de faire valoir sa position. Donc, juste avant de vous parler de la jurisprudence, je vais juste vous expliquer comment ça se passe, les tribunaux qui entendent des causes d'impôt. Donc, le premier tribunal qui entend toujours les causes d'impôt, c'est la Cour canadienne de l'impôt. Comme son nom l'indique, c'est une cour de première instance qui n'entend uniquement que des causes d'impôt. Donc, à la journée longue, là, les juges qui siègent là-dessus voient passer des causes qui sont toujours contribuables contre l'ARC. Un juge qui siège à la fois. Et, bon, comme vous savez comment ça se passe dans une cour de justice, la première partie fait sa démonstration, la deuxième partie fait sa démonstration, le juge s'en va délibérer et revient puis rend sa décision. Admettons que le juge donne raison à l'ARC devant les tribunaux. Bien, celui qui a perdu, le contribuable, disons, a l'option, s'il le souhaite, d'aller porter sa cause à un tribunal de deuxième instance qu'on appelle la Cour d'appel fédérale. La Cour d'appel fédérale, il y en a une au Canada, dans le sens que tous les tribunaux de première instance, quand on veut refaire un procès, ça va toujours se ramasser à la Cour d'appel fédérale. Donc, en Cour d'appel fédérale, vous comprenez que les juges entendent parler de plein de causes, pas juste des causes d'impôt. Dans sa journée, là, il y a trois juges qui siègent en même temps. Puis ça peut être le matin une cause sur de la violence conjugale, et à 11h une cause sur une pension alimentaire, puis l'après-midi c'est à cause d'impôt. Fait que les juges, ils sont pas nécessairement experts dans la loi de l'impôt, mais c'est des juges très chevronnés quand même. Fait que là, ça recommence, le procès, l'ARC fait l'ARC fait la même chose, le contribuable, les trois juges vont délibérer, reviennent rendre leur décision. Juste avant, j'ai oublié de vous dire, pour qu'une cour d'appel, c'est important, pour que la cour d'appel acceptera pas de refaire tous les procès, pour que la cour d'appel accepte de refaire un procès qui a été entendu en première instance, il faut que tu démontres au juge de la cour d'appel que tu as été lésé dans la cour de première instance. C'est-à-dire que le juge a fait des erreurs de droit. Il faut que par exemple, le juge t'a pas donné les bonnes directives. Le juge n'a pas accepté d'entendre un de tes témoins. Il est 4h30, j'ai pas le temps, là, on le fera pas ce témoin-là. Disons que le juge de première instance fait une affaire de même. Tu es vraiment lésé, puis il avait pas le droit de faire ça. Donc, si tu es capable de prouver au juge de la cour d'appel qu'en première instance, il y a eu une faute de droit qui a été commise par le juge, ils vont accepter. Sinon, si tout s'est bien passé en première instance, le juge a fait aucune erreur, ta cause sera pas réentendue. Donc, on présume que j'ai pu faire cette démonstration-là dans mon cas. Et là, les juges reviennent avec leur décision puis donnent encore raison à l'ARC. Donc, je suis encore débouté, j'ai perdu. Mais mon dernier recours, ce serait d'aller au plus haut tribunal du pays, qui est la Cour suprême du Canada. Je sais pas si vous avez déjà vu la Cour suprême du Canada, c'est juste à côté du Parlement à Ottawa, une belle bâtisse. Il y a 9
juges qui siègent en même temps à la Cour suprême. Ils sont tous avec une toge rouge, ils ont des perruques blanches, c'est très protocolaire. La Cour suprême entend à peu près 100 causes par année, c'est très peu. Et là, pour qu'une cause soit entendue en Cour suprême, deux conditions. Un, il faut que tu juges qu'en cours d'appel, tu as été lésé, donc même chose que tout à l'heure. Ton procès en cours d'appel, il y a eu des erreurs de droit qui ont été commises, mais c'est pas tout. Deuxième critère pour être accepté en Cour suprême, il faut que le questionnement qui est soulevé, ça soit d'intérêt national. Donc, la Cour suprême n'entend que des questions qui sont d'intérêt national pour tout le pays. Ils ne tranchent que des gros enjeux. Ils veulent pas se pencher sur un enjeu qui est juste pertinent à Trois-Rivières. Si tu arrives avec un petit problème que les Canadiens s'en foutent, puis que toi, c'est un problème local à Trois-Rivières, puis que les Canadiens ils s'en foutent pas mal, ça se peut qu'ils n'acceptent pas d'entendre la cause parce qu'ils disent que ça n'intéresse pas tout le monde. Ils disent dans leur jargon « coast to coast ». Fait qu'ils entendent des causes du genre, évidemment, le droit à l'avortement, des gros enjeux là qu'ils acceptent d'entendre. Donc, admettons que je réussis à prouver que hey, c'est d'intérêt national de savoir si c'est déductible une contravention pour excès de poids de bateau, mais peut-être que la Cour suprême entendrait ma cause, irait délibérer, puis évidemment rendrait un jugement qui est final et sans appel. Bon, comment ça se passe quand les juges vont délibérer? En droit, on dit qu'il existe la doctrine du précédent. La doctrine du précédent, ce que ça veut dire, c'est que inconsciemment, c'est bien, qu'est-ce que vous pensez que les juges vont aller faire pendant qu'ils vont aller délibérer? Sur une question là comme la mienne, ils viennent d'entendre une cause ARC contre Nicolas Boivin, puis l'enjeu c'est est-ce qu'on peut déduire une contravention pour excès de poids de bateau? Quand il va aller délibérer le juge, là, peu importe dans quelle instance, qu'est-ce qu'il va aller faire, vous pensez? Il va aller consulter toute l'historique des jugements passés, qu'on appelle la jurisprudence, pour aller voir s'il n'y aurait pas déjà eu des causes qui portaient sur des questions pareilles à la mienne. Je suis probablement pas le premier gars sur la terre à aller devant les tribunaux avec cette question-là. Fait que comme de fait, le juge, il trouve dans la jurisprudence 10 causes identiques à la mienne. À chaque fois, c'est quelqu'un qui veut déduire une contravention, puis que l'ARC veut pas. 10! Puis 9 fois, les juges passés ont donné raison à l'ARC. Il y a un juge qui était un peu mêlé, qui a donné raison au contribuable. Comment vous pensez qu'il va se sentir, lui, quand il va aller rendre sa décision? Pensez-vous que ça lui tente d'être différent de tous les autres juges qui sont passés devant lui, puis que ça lui tente d'aller à contresens de ce courant-là, ou vous pensez qu'il va aller dans le même courant? C'est sûr qu'il va aller dans le même courant. Donc, à quelque part, c'est pour ça qu'on dit que la jurisprudence, ça devient une source de droit. Quand il y a un courant jurisprudentiel très fort, un nombre de causes élevé, puis que les jugements ont toujours été du même bord, ben à quelque part, ça devient ta source de droit. Autrement dit, va pas devant les tribunaux pour rien, c'est sûr que tu vas perdre. Parce que les juges, eux aussi, vont aller se faire influencer par la jurisprudence. Donc, dans une question où ma loi est muette, ma deuxième source de droit, ce serait d'aller voir, est-ce que j'ai un courant jurisprudentiel fort? Est-ce qu'il y a des causes qui ont été entendues? Puis si c'est 9 fois sur 10 l'ARC qui a gagné, ça m'en dit long sur le fait que c'est sûrement pas déductible, ma contravention. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé ma fin de semaine à consulter toute la jurisprudence, tous les procès, devant tous les tribunaux. Vous devinez que quand, dans la jurisprudence, on trouve une décision de la Cour suprême du Canada, imaginez le poids que ça a. Les 9 juges les plus influents au Canada, s'ils se sont déjà prononcés sur une question similaire à la mienne, peut dire que le juge de première instance, quand il revient dans ses bottines, je pense pas qu'il va rendre un jugement à l'encontre d'un courant provenant de ces 9 juges-là. Donc, plus la jurisprudence nous provient d'un tribunal élevé, plus elle est forte et influente. Donc, dans mon cas, rien pas tout. Oui, madame? Je pense que la décision de la Cour suprême fait foi de tout, là. Ça renverse tout le reste, puis ça devient la nouvelle ligne directrice. Donc, dans mon cas, j'ai rien trouvé. Là, je suis vraiment très mal pris. Je vais me rabattre sur les autres sources de droit qui commencent à être drôlement faibles. Troisième source de droit, j'irai voir les positions administratives. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est uniquement le point de vue de l'ARC. L'ARC régulièrement publie
des documents, ce qu'on appelle des bulletins d'interprétation, des circulaires d'information, plein, il y a plein de documents. Mais essentiellement, l'ARC souvent publie son avis sur différentes questions, sur différents enjeux. Donc, entre autres, l'ARC a peut-être déjà émis un bulletin d'interprétation, oui, où elle disait un contribuable qui a une contravention pour excès de poids de bateau. La loi est muette, la jurisprudence est muette, donc selon nous, l'ARC, on pense que c'est non déductible. Donc, ce n'est que ça. Ce n'est que l'avis de l'ARC. Théoriquement, je vous dirais, c'est même pas une source de droit, parce que ce n'est que leur avis. J'ai le droit d'avoir un avis contraire. L'ARC n'a pas le monopole de la bonne interprétation. L'ARC, ce n'est que mon opposant dans cette confrontation-là. Pourquoi leur avis, tout d'un coup, deviendrait une source de droit? Effectivement. Mais force est d'admettre que pour des petits montants, quand tu n'as pas le goût d'aller faire une bataille judiciaire, des fois, ça devient la source de droit. Moi, là, à la question, là, est-ce que j'ai droit à un crédit d'impôt pour mes frais de scolarité de 902$? Si la loi est muette, la jurisprudence est muette, puis l'ARC dit non, je pense pas que je vais aller me battre contre ça. Parce que ça ne vaut pas la peine. 902$, là, c'est mineur. Donc, pour des petits montants, des petites batailles, souvent, l'ARC qui dit clairement non, nous, on n'accepte pas ça en crédit d'impôt, par exemple, ben, à quelque part, ça va changer le comportement des contribuables. Souvent, les gens vont dire, bon, parfait, je vais me plier à cette décision-là. Mais pour des gros enjeux, des gros montants, que l'ARC me dise, non, moi, je pense que c'est pas déductible une contravention pour excès de poids de bateau, ça se peut bien que ça fasse pas plier le contribuable, puis qu'on se ramasse quand même devant les tribunaux. Et donc, dans ce cas-ci, j'ai fait mes recherches, aucune position administrative. Jamais l'ARC a cru bon mettre par écrit leur opinion, leur point de vue sur cette question-là de déductibilité de la contravention. Donc, je me rabats sur la dernière source de droit, qui est horriblement faible. Là, je suis très malheureux de ça. Le dernier endroit où peut-être je pourrais trouver un début de réponse, ce serait d'aller voir dans la littérature. Est-ce qu'il n'y aurait pas un auteur à quelque part, avec un auteur de renom, un ancien politicien, un ancien premier ministre, un ancien ministre des Finances, qui aurait dit à quelque part, qui aurait parlé de ça, qui aurait donné son avis, puis qu'il y aurait, je sais pas moi, tu trouves une vidéo sur YouTube. C'est un ancien ministre des Finances qui fait une conférence auprès des jeunes, puis il dit aux jeunes, lâchez pas l'école, c'est important l'école. Et by the way, selon moi, lorsqu'une entreprise a une contravention pour excès de poids de bateau, selon moi, ça devrait être déductible. Ding! T'as ça en vidéo. Ben, à défaut de rien avoir, c'est mieux que rien. T'as quand même quelqu'un d'influent, un penseur, quelqu'un qui a déjà eu cette job-là de ministre des Finances, qui dit son avis. Mais où tu vas dans un livre d'école, des professeurs renommés, qui t'ouvre un livre d'école d'un professeur de renom, puis le professeur dit en note de bas de page, selon moi, une entreprise devrait pouvoir déduire une contravention qu'elle encourt, là, bon, c'est le même genre de choses. T'aurais l'avis d'un professeur peut-être renommé, mais tabarnouche. Quand t'es rendu là, croise-toi les doigts. En gagner, si tu gagnes ta bataille contre l'ARC avec ça, c'est quasiment l'équivalent de tirer à pile ou face. Mais bon, à défaut d'avoir rien d'autre. Donc, vous comprenez, on les fait dans l'ordre. Et bien sûr, les sources de droit, plus on avance, plus elles sont faibles. Le plus souvent, on essaie de pas se rendre jusque-là. Dans la vraie histoire, la contravention de poids de bateau, la loi est muette, mais on a une jurisprudence très forte qui a toujours dit que l'ARC avait raison puis qu'il fallait pas accepter ça en déduction. Fait que c'est très clair qu'on le déduirait pas, cette contravention-là dans le rapport d'impôt. Mais on aurait trouvé notre réponse assez clairement dans la jurisprudence. La loi est muette, effectivement. La jurisprudence, par exemple, est très forte et très unidirectionnelle par rapport à ça. OK, juste finir là-dessus. Quelle est l'erreur qu'un jeune fiscaliste pourrait faire quand à vendredi soir, à 4h, quelqu'un vient lui poser une question comme ça? Un jeune fiscaliste qui est payé cher parce qu'il est supposé être compétent, il est supposé être capable de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire, mais l'être humain étant ce qu'il est, là, quand tu te fais poser une question de même, là, ou en tout cas, ou n'importe quelle autre question, là, qu'est-ce que tu aurais le goût de faire, naturellement? Donc, tu irais dans tes premières sources de droit, puis sans trop aller dans les deuxièmes, troisièmes, puis quatrièmes? L'être humain est encore plus vert, plus paresseux que ça, des fois. Pardon?
dire ce qu'on pense, ouais, ça c'est encore pire, tu consultes rien. Souvent, dans le réflexe qu'un jeune fiscaliste va avoir, il est vendredi soir, 4 heures, c'est dire, on va aller voir dans le livre d'école ce que mon prof dit. Puis là, ça s'en va dans un livre qui c'est genre mon livre numérique, là, puis ça s'en va lire la. Ah, regardons, c'est déductible. Patron, c'est déductible. Imaginez l'erreur. T'es allé consulter la quatrième source de droit. Je comprends que c'est plus le fun à lire. Je comprends que c'est plus court. Je comprends qu'en 5 minutes, tu règles ça. Mais mon Dieu, tu viens de trouver ta. Tu t'es même pas tapé les sources de droit les plus solides, puis t'es tout de suite allé à la source de droit la plus faible. Donc, c'est une réponse qui est très faible. C'est aucunement solide. Ça peut se faire démolir n'importe comment. Une recherche basée, une réponse basée sur une si faible recherche. Mais force est d'admettre que la tentation est forte des fois. Tu sais, quand je vais vous dire à un moment donné, ce cas-là, il est un peu litigieux, mais il y a des cas, des fois, c'est sûr que tu as le goût d'aller voir dans le livre d'école. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit, là. Mais honnêtement, un fiscaliste ne devrait pas faire ça. Tu devrais t'interdire ça, puis dire non, c'est pas ça ma job, ou le salaire que je suis payé avec les études que j'ai faites, je suis supposé trouver ma réponse dans la loi. Ça se peut que ça te prenne un peu plus de temps, mais tu es payé pour faire ça. Tu as la formation, puis tu es le seul à être capable de faire ça. Fait que c'est ce qu'on s'attend de quelqu'un qui travaille en fiscalité. Oui, monsieur? Vous avez dit que vous vérifiez à propos de l'ARC, qu'est-ce qu'elle pense avant d'aller devant les Oui, tu as raison. Mais la deuxième source de droit ici, là, c'est pas d'aller devant les tribunaux, c'est d'aller lire la jurisprudence. Ça ici, je parle pas d'intenter un procès contre l'ARC. C'est avant d'en arriver là, je vais aller voir est-ce que des causes similaires à la mienne ont déjà été entendues par des juges dans le passé. Puis si je constate que sur 10 causes, 9 fois l'ARC a été déclaré comme la partie gagnante par les juges, ben ça me donne une indication assez forte. Mais c'est pas encore la question d'aller devant les tribunaux. Là, on fait juste consulter les jugements. Non, on les fait dans l'ordre qu'elles sont là. On fait la 1, on fait la 2, et les positions de l'ARC, on les fait en troisième. Ça ne donne rien d'aller voir des positions de l'ARC s'il existe des sources de droit plus fortes avant. Ça donne absolument rien d'aller lire ça si j'ai un texte de loi qui est clair. Ça donne absolument rien de lire, d'aller consulter ça si j'ai une jurisprudence qui est forte. Il faut vraiment les faire dans l'ordre. C'est bon? Good. D'autres questions? Bon, ben, c'est pas mal ça. Je pense que pour le sujet 1, il va me rester le petit questionnaire à vous faire passer. Point 8, c'est juste la nomenclature. Je regarde pas ça. Pas besoin de regarder ça. La loi de l'impôt, on l'achète pas de toute façon. Mais la loi de l'impôt, comme c'est très volumineux, vous devinez que c'est séparé, c'est bien classé. Un peu comme un livre, des fois, que l'on classe avec des numéros, là, 1, 1.1, 1.1.1. C'est la même chose, c'est juste que des appellations sont un petit peu différentes. Mais ça prend évidemment un certain classement là-dedans. Je vous ai fait des saisies d'écran pour vous montrer la loi de l'impôt, comment elle est classée dans sa table des matières. Et le point 9, on n'a pas besoin de le traiter non plus, là, c'est comment trouver des définitions dans la loi de l'impôt. Comme on ne travaillera pas avec la loi de l'impôt, on n'en a pas besoin. Donc voilà pour le sujet 1. Donc, je vous demande 2 petites minutes d'attention. Vous comprenez qu'on est dans la semaine 1. Vous comprenez que tout ce qui était à faire avant le cours, vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller le faire. Je vous dirai pas aller lire le sujet 1 puis aller écouter les vidéos. C'est simple, puis ça va répéter ce qu'on vient de faire. Fait que c'est correct pour ça. Donc, semaine 1, on vient de terminer la section verte. Il vous reste à aller consolider les apprentissages. Donc, allez faire les problèmes de la BQI en fiscalité pour bien consolider ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et n'oubliez pas de préparer votre semaine 2. D'accord? Donc, avant vendredi prochain, il faudrait que la portion avant le cours ici soit réalisée avant votre présence en classe. Les questionnaires électroniques, est-ce qu'il y a quelque chose à remettre dans 2 jours? Non, il n'y a rien à remettre dans 2 jours. Donc, dans 9 jours, dimanche, dans 9 jours, ça sera la date limite pour avoir complété vos 2 premiers questionnaires, semaine 1 puis semaine 2. C'est clair?